Bonjour à tous, c'est Guillaume Marceau pour une nouvelle vidéo du SNES FSU Guadeloupe. Aujourd'hui, je vous propose de parler de la grève du 22 mars qui a lieu la semaine prochaine. Nous allons bien évidemment au SNES Guadeloupe suivre ce mouvement, puisque c'est un mouvement à la fois fonction publique, où on voit bien que le gouvernement nous attaque dans tous les sens, avec le gel du point d'indice, avec la punition de la journée de carence qui est absolument scandaleuse, avec les remises en cause possibles des CHSCT, avec les attaques récurrentes sur les commissions paritaires, avec l'idée de la réforme des retraites de 2019 qui casserait complètement le système de solidarité. On voit bien que les fonctionnaires sont dans la cible du gouvernement. On voit bien qu'on veut casser le statut des cheminots, et derrière le statut des cheminots, c'est bien évidemment que c'est le statut des fonctionnaires qui est visé. Le gouvernement a déjà annoncé qu'il veut casser 120 000 fonctionnaires pour bien évidemment les remplacer par des précaires. Au SNES FSU Guadeloupe, on vous rappelle qu'il y a 44 postes qui doivent être supprimés dans les collèges et les lycées à la prochaine rentrée. Donc on voit bien que c'est l'ensemble de la fonction publique qui est frappée, qui va être attaquée. Et puis quand on voit la réforme Blanquer pour l'éducation, au niveau du baccalauréat et au niveau du lycée, ce qui se met en place, c'est tout simplement un tri social, des économies de moyens très importantes. Et ça, c'est absolument scandaleux. Nous devons absolument réagir très fortement, sinon le gouvernement va exploser la fonction publique et contractualiser la fonction publique de l'éducation nationale. Et ça, au SNES FSU, nous y sommes totalement opposés. Donc nous vous donnons rendez-vous à 8h à la sous-préfecture Place de la Victoire à Pointe-à-Pitre, jeudi 22 mars, pour manifester notre colère. Et nous organiserons ensuite un défilé, si nous sommes assez nombreux, avec une conférence de presse à 10h au local du SNES. Donc cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, on vous propose de la partager sur les réseaux sociaux, de l'aimer, de vous abonner à notre chaîne, et puis comme nous ne vivons que de cela, eh bien de vous syndiquer au SNES Guadeloupe, en suivant les liens qui se trouvent en dessous. À bientôt.